Bonjour, bonsoir, merci de nous rejoindre. La tutelle sur la décentralisation. Voilà une question bien préoccupante pour certains, mais totalement accessible pour d'autres. Tant l'intérêt pour l'exercice efficient du pouvoir local est grand. Le législateur, en instituant la décentralisation, a bien voulu rapprocher l'administration de l'administré, mais a laissé la haute main au pouvoir local de contrôler par le biais du préfet tout ce qui se fait par l'administration locale, ce qui fait intervenir parfois des confusions de rôle au point de se demander si le préfet n'est-il pas en définitive devenu le maître absolu du conseil communal. Il n'y a pas si longtemps que ça, le cas s'est présenté à Cotonou où certains esprits ont craint de voir le préfet du littoral arborer l'habit du maire de Cotonou. Que comprendre alors de l'exercice de la tutelle en matière de décentralisation? Pourquoi est-elle instituée? Comment faire pour un exercice heureux de la tutelle? Autant de préoccupations que nous aborderons tout au long de cette émission commune à la une, qui reçoit aujourd'hui deux invités, comme à l'accoutumée. Nanako Kosoba, il est docteur en droit privé, spécialiste des questions de décentralisation. Monsieur Nanako Kosoba, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je Merci. salue aussi vos téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Je dois préciser que vous avez quand même écrit un livre sur la question approfondir les processus de décentralisation en Afrique de l'Ouest francophone. Dans ce débat, vous allez nous dire un peu les motivations et surtout la religion que vous défendez dans ce livre. Avec plaisir. Merci d'être avec nous. Et puis, en face de vous, Alain Tosunon, il est journaliste spécialisé en décentralisation. Alain Tosunon, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Merci d'être Et avec nous. bonsoir ou bonjour aux amis téléspectateurs. Ça dépend bien sûr du moment où on nous reçoit, parce que autant l'après-midi que dans la journée, on nous reçoit. Alors, monsieur Nanako Kosoba, dites-nous comment définir la tutelle en définitive? Merci beaucoup. La tutelle, je vais la définir très rapidement, mais si vous permettez, je reviens un peu sur l'esprit de la décentralisation. Pour préciser que la décentralisation est faite juste pour nous assurer que nous sommes organisés de façon à ce que la personne qui est la plus habilitée prend en charge les questions qu'il est à même, qu'il est plus à même, disons, de gérer. Donc, d'entrée, il faut préciser que on ne fait pas la décentralisation pour défier l'État central. Ça, c'est très important. On fait la décentralisation parce qu'on veut avoir du mieux d'État. On veut avoir un État qui se consacre aux questions régaliennes. On veut avoir un État qui se positionne stratégiquement et laisse donc des élus en qui les populations ont placé leur confiance gérer les questions de proximité. Je reviens donc à la définition et. Donc, ce n'est pas comme certains le pensent, que bon, l'État en avait trop, c'est pour ça qu'il a bien voulu se débarrasser de quelques prérogatives. Non, ce n'est pas du tout ça. Bien au contraire, l'État pourrait continuer même de s'étendre ou d'étendre ses propres compétences. Mais on se rend compte qu'à la mise en œuvre, plus vous êtes loin, plus vous êtes éloigné de l'action, moins vous êtes efficace. Et c'est toute la raison donc des politiques de décentralisation qui tournent autour donc du principe de subsidiarité. Alors, pour revenir à votre question, c'est quoi la tutelle? Disons que c'est un certain nombre de prérogatives, un certain nombre de pouvoirs qui sont limités, pouvoirs prérogatives limités, qui sont accordés à une autorité pour s'assurer que la légalité est respectée et que les intérêts nationaux, pour ce qui concerne donc les collectivités territoriales, ou plus précisément l'intérêt général, est sauvegardé
par, disons, ces personnes qui jouissent d'une certaine autonomie par rapport au pouvoir central. À quelle philosophie alors répond l'institution de cette tutelle, quand vous savez, vous l'avez dit, l'État préfère laisser ceux qui vraiment ont intérêt à s'occuper de ces choses-là le faire. Mais pourquoi a-t-il fallu instaurer une certaine tutelle pour que eh bien, ceux-là se sentent sous le sceau de quelqu'un? Oui, c'est important. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans la République. Les collectivités territoriales, nos communes demeurent dans la République. Et il faut faire en sorte que, au moment où elles jouissent d'une certaine autonomie, qu'elles n'outrepassent pas les limites qui leur sont fixées, qu'elles n'empiètent pas sur les domaines régaliens de l'État, ce qui pourrait remettre en cause, en fait, la stabilité politique, l'unité de la nation, c'est un aspect très important. Donc c'est pour ces raisons que ces balises ont été posées, mais bien entendu, ces balises sont posées par le législateur. Donc ces balises s'imposent aussi au pouvoir exécutif, dont les démembrements, dont les représentants assurent la tutelle. Ainsi décrit, ainsi organisé, si chacun, disons, fait son boulot, comme cela se doit, dans l'esprit républicain, dans l'esprit, dans ce qui est souhaité par le législateur, on s'attend logiquement à ce que tout fonctionne bien et que la République soit bien gérée aussi bien au niveau local, intermédiaire qu'au niveau central. Alors, quelles sont les possibles dérives l'administration communale pourrait commettre pour nécessiter l'instauration de cette tutelle? Il y en a de plusieurs sortes. Et si vous faites attention, il y a un certain nombre d'attributions qui sont, disons, reconnues aux collectivités territoriales. Et elles doivent rester dans celles-là. Mais au-delà ou dans la mise en œuvre de ces attributions, il n'est pas exclu que les collectivités territoriales ou les autorités élues soient tentées d'outrepasser les limites. Je voudrais par là dire que, en réalité, plus il y a d'autonomie, plus le contrôle est appelé. Plus il y a d'autonomie, plus le contrôle doit être strict, doit être régulier, doit être relativement intense pour s'assurer que nous restons dans l'esprit des textes, pour s'assurer que tout se passe dans les normes et que la raison pour laquelle la décentralisation a été entreprise, que ces résultats sont atteints, disons, au bénéfice des citoyens qui ne demandent que ça. Alors, Annette Osuno, l'écoute de tout ce développement de M. Nanako vous inspire quoi? Est-ce que, finalement, cette tutelle est nécessaire? Non, je dirais même qu'elle est indispensable, dans la mesure où, même si la Constitution, c'est elle qui a prévu, qui a institué la décentralisation et qui a prévu que, et qui dit que les communes s'administrent librement, mais dans des conditions qui sont fixées par la loi, ça ne dit pas que l'État est absent dans les communes. Donc, à partir de ce moment-là, pour garder un œil sur la gestion donc, qui est faite des collectivités territoriales, l'État a ce droit de regard. Et ce droit de regard donc, se manifeste donc, à travers cette tutelle-là, qui est instituée et qui est aussi encadrée par la loi. Parce qu'on dit que le préfet est le dépositaire de l'autorité de l'État. Donc l'État, oui, d'accord, accorde un certain nombre de prérogatives donc, au conseil communal, au maire, mais il a besoin donc de continuer à veiller sur les politiques nationales, sur les stratégies nationales et tout ça. Ce qui est cher au gouvernement. Mais c'est très important. Ça dit que les communes ne sont pas dans un autre État. Est-ce que vous comprenez? Donc l'État veille à ce que dans tous les secteurs donc, que les politiques nationales soient respectées, tout ça. Donc la tutelle permet de veiller sur ces questions-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que le préfet
est considéré comme le coordonnateur de tous les ministères au niveau du département. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il regarde un peu partout et il veille à ce que dans les différentes communes qui sont de son ressort donc territorial, il veille à ce que effectivement que tout ça là soit respecté. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des lois nationales. Comment on fait pour s'assurer qu'effectivement toutes les décisions qui sont prises au niveau des conseils communaux et municipaux, que ces décisions-là respectent la loi? Donc, c'est le rôle que joue en fait le préfet qui exerce, donc ce qui est l'autorité de tutelle. Donc, il veille, donc il y a le contrôle de l'égalité à travers lequel il s'assure que toutes les décisions donc, sont en parfaite. Qui respecte les lois nationales, mais il y a aussi l'assistante conseil qu'il fait et qui lui permet donc de veiller, d'accompagner toutes les initiatives de développement qui sont prises au niveau donc des collectivités territoriales. Mais à partir de cet instant, quelle santé prévoyez-vous pour l'exercice de cette tutelle-là, par exemple? Est-ce que vous voyez les communautés décentralisées se soumettre un peu, comment dirais-je, automatiquement, cela? Est-ce qu'ils sont accessibles, en fait? Non, en fait, c'est pas, nous ne sommes pas dans des rapports hiérarchiques de soumission et autres. C'est vrai que dans certaines matières, comme le maintien de l'ordre public, c'est-à-dire que le maire est dans une relation de subordination sur le plan hiérarchique. Mais quand on met dans les compétences qui sont propres donc, aux collectivités territoriales, donc, il n'y a pas de relation hiérarchique. Les communes s'administrent librement. C'est ce que notre constitution dit. Donc, à partir de cet instant, dès lors que les conseils communaux prennent des décisions qui ne violent pas les textes de loi, donc, l'autorité de tutelle constate cela et les décisions sont automatiquement applicables. Donc, je crois que on a eu un préfet par le passé dans le département du Zou qui avait fait cette déclaration en disant que le préfet est le patron du maire. Ça avait fait grincer des dents et tout ça. Je pense que c'est pas dans cet esprit-là que la tutelle administrative doit s'exercer. C'est pour ça dans notre pays, de plus en plus, on parle de tutelle apaisée. Le préfet, en fait, c'est un accompagnateur. C'est un accompagnateur, c'est pourquoi on parle d'assistance conseil. Il assiste donc les communes et il aide les communes à réussir donc leur projet de développement, dans la mise en œuvre des plans de développement communaux. Donc il est là en fait comme le garant de l'État. C'est lui qui veille, comme je l'ai dit, à ce que les lois nationales donc soient respectées. Parce que pour que les communes ne soit pas dans ce thème de penser que bon, on nous a dit qu'on est libre, alors on fait ce qu'on veut. Nous sommes dans un État donc, qui est régi par un certain nombre de tests de loi et tout ça, et on a besoin effectivement, dans la commune la plus éloignée ou dans la localité la plus éloignée donc, de Cotonou, qui est où se retrouve le chef de l'État, où les décisions, les grandes décisions sont prises au niveau du Conseil des ministres, qu'on s'assure que ces différentes décisions sont respectées et appliquées au niveau le plus éloigné possible. Et c'est le préfet qui est donc ce cordon ombilical-là qui permet de surveiller, de veiller à ce contrôle de l'égalité-là. Ah. Et cela est très important. Ah. Mais ça ne donne pas pouvoir au préfet d'écraser donc, le maire ou de se prendre comme le chef, donc, le chef suprême, du maire. Ça ne fait pas de lui vraiment un chef donc, du maire ou des collectivités territoriales. C'est cela. Alors, M. Nanako, en étant selon, on l'a dit tantôt, la tutelle s'exerce par des conseils, appui-conseil, également par des contrôles et autres. Mais comment, en définitive, on devrait pouvoir noter l'exercice de la tutelle? Comme le disait M. Tosounan tout à l'heure, l'exercice de la tutelle, c'est deux modalités principalement. Vous avez d'abord l'assistance conseil, à travers laquelle l'État, à travers donc l'autorité préfectorale, offre ou met à disposition des collectivités territoriales son expertise, les autres moyens dont il dispose, pour leur permettre d'exercer au mieux leurs compétences. Ça, c'est le volet assistance-conseil. Elle peut être payante
comme elle peut être gratuite. Ça dépend vraiment du contenu et certainement de l'étendue. De la part de l'État, est-ce qu'elle peut être payante encore? Bien entendu. Puisque l'État, quand même, met les dispositions, les ressources à disposition, pardon. Oui, c'est dans la limite donc des ressources disponibles au niveau de l'État. Je vous donne un exemple. Si vous avez une commune qui veut réaliser une étude de faisabilité d'un barrage, ça ne figure pas dans le programme de l'État, mais ça figure dans le plan de développement de la commune. Si cette commune dit « je retrouve au niveau de l'État une certaine expertise qui peut m'aider à réaliser cette étude », au lieu d'aller chercher un cabinet privé, cette commune s'adresse donc aux représentants de l'État dans, disons, le département, le préfet, et fait donc les démarches. Il va payer, mais relativement moins cher que s'il va, disons, sur le marché privé. Donc, dans ces cas, oui, ça peut se comprendre, mais toujours est-il que ainsi mobiliser cette expertise coûterait nettement moins cher à la collectivité territoriale, à la commune. Donc, ça peut être payant. Par contre, s'il y a juste un document à photocopier, s'il y a des plans à photocopier, dans ce cas, l'État ou des informations que l'État lui-même se doit de communiquer aux communes, dans ce cas, il n'est pas nécessaire donc de payer quelque chose. Donc, voilà un peu comment ça se passe. S'il s'agit pour les agents au niveau départemental d'aller, par exemple, assister à une réunion, participer à un atelier, apporter leur contribution, dans ce cas, ils ne demandent pas, disons, à être payés. Cette assistance, cette forme d'assistance conseil, elle est vraiment gratuite. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Et deuxième volet, le contrôle. Le contrôle de l'égalité, ça se passe de trois façons. Le contrôle de l'égalité met en réalité le représentant de l'État en position de prendre connaissance des actes que pose la commune. D'accord. Donc, il faut déjà transmettre les actes qui sont pris à l'autorité préfectorale pour qu'elle en prenne connaissance et qu'elle puisse s'assurer qu'elle est légale. Elle ne viole pas la légalité républicaine, prise dans tout son sens, donc tout le bloc de l'égalité. À ce niveau, il y a certains actes pour lesquels on n'a pas besoin d'approbation. D'accord. Puisqu'on n'a pas besoin d'approbation, il suffit d'en informer l'autorité. Ça, c'est un devoir d'information. Voilà. Quels que soient les cas de figure, l'autorité doit être informée. On ne sait jamais comment on dit chez nous. Donc, ça, puisque une approbation n'est pas prévue, un acte ainsi pris devient exécutoire dans les conditions prévues par la loi. Par contre, il y a certains actes limitativement énumérés pour lesquels il faut des approbations. Dans ce cas, la commune prend la décision, mais elle soumet à approbation et elle attend donc son approbation avant l'entrée en exécution. Alors, le préfet peut prendre plusieurs décisions. Il peut approuver parce qu'il a juste estimé que c'est légal, c'est conforme donc aux principes légaux, comme il peut ne pas approuver. Il refuse d'approuver, ça veut dire qu'il annule l'acte. Mais dans la pratique, ça ne se passe pas ainsi. Il va certainement faire des observations à la commune pour dire, mon collègue parlait tout à l'heure de la tutelle apaisée. Il fera donc des observations pour dire à la commune, il me semble que sur tel aspect, vous vous êtes mépris, etc. Essayez de corriger. C'est lorsque la commune résiste, entre guillemets, et ne fait pas cette mise en conformité que l'autorité de tutelle est amenée à annuler. Ça veut dire que la délibération, la décision qui a été prise n'a plus force exécutoire. Le troisième cas de figure qui est, si vous voulez, le plus dommageable pour l'autonomie,
c'est la substitution. C'est la substitution. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'autorité préfectorale est obligée de se substituer à l'autorité communale. C'est-à-dire de remplacer le maire. De remplacer. Et de poser l'acte comme si c'est le maire. Comme si c'était le maire. Ah. Et ça, c'est dans les cas de carence. C'est dans des cas de carence ou dans les cas de résistance extrême. C'est-à-dire, à plusieurs fois, il a fait mise en demeure, mais l'autorité n'a pas voulu suivre, disons, ses observations. La loi béninoise, en son état actuel, permet, dans les cas prévus, il y a des cas qui sont prévus, à l'autorité préfectorale de se substituer au maire. C'est par exemple dans le maintien de l'ordre, on le rencontre beaucoup là. Je sais qu'il y a eu des cas aussi pour l'adoption des budgets. Vous voyez, c'est un cas critique par exemple. Au niveau du budget, vous avez une commune... C'est souvent des questions qui fâchent. Voilà, vous avez une commune qui ne se dote pas de son budget jusqu'à un certain moment. Comment assurer la continuité du service public sans un budget? Donc là, l'autorité est obligée de se substituer et, disons, de prendre la décision qui permet d'assurer la continuité du service public ou l'ordre public. Mais ce n'est pas seulement sur les actes que la tutelle se manifeste. Tutelle se manifeste aussi sur les personnes. La tutelle se manifeste sur, disons, les personnes, disons, les autorités élues. Et vous pouvez déjà le constater dès l'installation. Vous allez voir que l'autorité, c'est l'autorité préfectorale qui, en fait, déclenche le processus pour installer, disons, les autorités à leur élection. Bien qu'il n'y ait pas un rôle à jouer dans la désignation, c'est quand même l'autorité préfectorale qui lance, disons, le processus. C'est une sorte d'envoyer, de les envoyer en mission. Oui, oui, parce qu'on est, quand même dans l'État. Donc, par exemple, au moment où on fait la transition, au moment où les gens sont élus, tout le monde est nouveau, il faut bien quelqu'un qui incarne l'autorité de l'État et qui, disons, installe les conseils avant que, disons, ces organes délibérants n'entrent dans la plénitude de leurs fonctions. Mais l'autre chose, et les tests le prévoient aussi, c'est par exemple les cas de sanctions. Dans les cas de sanctions, c'est vraiment l'expression de l'autorité préfectorale va jusqu'à la sanction. Absolument. Elle va jusqu'à la sanction ou à la proposition de sanction plus exactement. Parce que dans notre droit positif, il n'est pas prévu que le préfet sanctionne le maire. C'est plutôt le ministre de la décentralisation. Conseil des ministres. Le ministre de la décentralisation qui a pouvoir pour prendre des mesures provisoires. Des mesures provisoires, par exemple la suspension, en attendant donc que le dossier soit reconnu par le conseil des ministres. Donc voilà par exemple une expression de la tutelle sur les organes, un peu pour réaffirmer et nous rappeler à chaque fois que nous sommes dans la République et que l'État est un. Nous sommes dans un État unitaire. Voilà. Alors, Alain Tosolo, je sais que vous piaffez d'impatience pour revenir un peu sur tout ce qui a été dit. Mais ma question, est-ce que avec autant d'éléments, on soumet les actes, on soumet même les personnes à la tutelle, à l'autorité de la tutelle, à l'autorité du préfet, est-ce que cette tutelle est aisée? Est-ce qu'elle s'exerce de manière vraiment aisée? Non, il faut... Je crois que depuis la mise en œuvre donc, de la décentralisation, en dehors de quelques cas, nous avons quand même une tutelle apaisée. Nous avons une tutelle apaisée. Mais on a eu le cas de Cotonou. Oui, le cas de Cotonou sur 77 communes. Je me souviens, par exemple, de cette séance houleuse où le préfet a dû intimer l'ordre à un élu local de s'asseoir et même de se taire. Bon, il faut... La vidéo a circulé. Oui. De façon globale, il faut se féliciter qu'on ait une tutelle apaisée, parce qu'on a 77 communes. Si dans une seule commune, il y a cette situation, il ne faut pas conclure que bon, la tutelle n'est pas apaisée.
Je crois quand même, avant même le cas de Cotonou, on a eu un autre préfet, je l'ai rappelé tantôt, qui lui aussi, il était dans une posture de responsable hiérarchique tout puissant des maires. Mais on pensait que cette période-là était passée, c'était du passé. Je crois que ce n'est pas un problème de test. Mais en fait, il s'agit donc des personnes qui encadrent même l'autorité de l'État, c'est-à-dire de l'État. Comment on le fait? Je pense que dans ces cas-là, ce qui aurait été fait, c'est de saisir la Cour suprême. Lorsque on sent qu'il y a un abus de pouvoir au niveau de l'autorité de tutelle. Donc, nos tests l'ont prévu. Donc, à chaque fois que un élu ou le maire constate que l'autorité de tutelle outrepasse ses compétences, je crois que la loi prévoit qu'on saisisse la Cour suprême pour connaître de ce cas-là. Donc, mais malheureusement, j'ai constaté que les élus, les maires, ne saisissent pas régulièrement. Est-ce qu'ils sont outillés? Est-ce qu'ils ont... Non, il ne s'agit pas d'être outillés. La matière pour savoir ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Est-ce qu'ils savent, par exemple, ils sont informés. Qu'ils peuvent saisir la Cour suprême. Et il faut saluer tout le travail que les partenaires font. À chaque fois qu'il y a une nouvelle mandature qui s'installe, il y a un travail de formation de tous les élus qui se fait très souvent. Et on explique à ces différents élus le contenu des lois sur la décentralisation. Et je crois qu'à cette occasion-là, on leur rappelle que à chaque fois que vous avez, il y a des cas où vous sentez qu'il y a un abus de pouvoir, vous pouvez saisir le juge administratif qui, lui, a le pouvoir de statuer sur ces différents cas-là. Et moi, je le dis et je le répète, je suis peiné de constater que cette voie-là n'est pas souvent empruntée par nos élus. Ça va même permettre de faire évoluer notre processus. Je me rappelle que déjà en 2000, je crois que c'est en 2011, que le juge constitutionnel, dans le cas des rapports entre le maire et l'autorité de tutelle, a rappelé que en dehors des cas prévus par la loi, notamment en matière de maintien de l'ordre public et autres, mais le préfet n'a pas d'ordre à donner au maire. Et je crois que si la Cour constitutionnelle n'avait pas été saisie, elle n'aurait pas rappelé l'esprit dans lequel la tutelle doit s'exercer. Et c'est dans cela que moi je pense que si on saisissait régulièrement le juge administratif au niveau de la Cour suprême, dans bien des cas, je pense que le juge administratif se serait prononcé pour nous permettre de faire évoluer ce processus-là. Parce qu'évidemment, tout le monde s'aperçoit que parfois, le préfet, il ne trouve pas ses compétences, il arrive véritablement qu'il empiète sur donc, les prérogatives donc, du conseil communal ou du maire. Donc c'est regrettable, mais je pense qu'il faut davantage sensibiliser les élus et les maires à effectivement emprunter cette voie-là pour que le processus se renforce. Alors, Nanako Kosoba, dites-nous, il arrive quand même qu'on note quand même, comme l'a dit Alain Tosmo, des exactions. On a vu pratiquement le cas de Cotonou où le maire, à un moment donné, je veux dire le préfet, à un moment donné, a voulu carrément intimer la direction des choses aux élus locaux. Comment on peut gérer ces cas d'exaction? Merci beaucoup. Peut-être le mot exaction me semble un peu fort. Exagéré. Un peu fort quand même. Ceci étant dit, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un peu sur ce que disait mon collègue Tosunon tout à l'heure par rapport aux voies de recours qui sont, disons, ouvertes aux collectivités territoriales, aux autorités locales pour donc saisir la Cour suprême. Il faut comprendre ces autorités. Vous savez, l'être humain est un être avant tout rationnel. Il fait ce qui l'arrange. Il fait ce qui est dans son intérêt. Lorsque vous voyez comment ça se passe chez nous, quel intérêt un maire aurait-il
à aller saisir une juridiction dont l'accessibilité géographique est ce qu'elle est. Mm-hmm. Vous savez que pendant longtemps... C'est pas la porte d'à côté. Pendant longtemps, il fallait venir jusqu'à Porto-Nouveau. Vous savez aussi que le prétoire du juge administratif est relativement encombré. Absolument. Un personnel réduit pour assez de dossiers. Donc, vous saisissez peut-être en début de mandat. Éventuellement, la décision interviendrait en fin de mandat. Alors, quel intérêt auriez-vous à vous lancer dans une telle, disons, entreprise? Peut-être qu'avec le déploiement progressif des juridictions administratives au niveau donc, des tribunaux de première instance, peut-être qu'il y aurait un certain regain d'intérêt, mais vous observez que en l'état actuel, en tout cas jusqu'à une date récente, je ne vois pas pourquoi ou quel intérêt opérationnel pour un maire d'aller saisir la juridiction administrative. C'est un problème. Et quand vous les écoutez, je pense que c'est beaucoup plus ça qui freine leurs ardeurs. Le maire préfère aller discuter. Et vous noterez que dans la plupart des cas, les préfets sont des gens de là. D'accord. Vous comprenez? Mm-hmm. Les préfets sont les gens de là. C'est des gens du terroir. C'est les gens du terroir, donc ils ne sont pas souvent si éloignés des maires que ça. Donc le maire préfère aller voir son préfet, lui parler leur langue qu'ils ont en partage et lui dire bon, c'est ceci. Et puis le préfet aussi se met dans la posture de l'accompagnement. On peut peut-être regretter que ça réduise notre jurisprudence administrative, mais telle n'est pas non plus, le mandat du maire, il n'est pas là pour nourrir notre jurisprudence administrative. C'est clair. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant, vous soulevez la question de comment gérer, disons, ces rapports. Les conflits qu'il y a. Les conflits qu'il y a. C'est une question beaucoup plus subjective. Beaucoup plus subjective, bien que cela puisse être induit par des dysfonctionnements, disons, objectifs. En réalité, dans certains cas, vous remarquez que les gens n'ont pas bien intériorisé, n'ont pas bien intégré nos textes. Ça peut être du côté de la tutelle, comme ça peut être aussi du côté des autorités locales. Donc, il faut déjà avoir une bonne compréhension des textes, avoir une bonne lecture et une bonne compréhension des prérogatives et de ses limites, ça c'est important, et se dire, il y a une disposition d'esprit qui me paraît quand même très importante, c'est de se dire, nous devons nous compléter. Aussi bien l'autorité locale que l'autorité préfectorale devraient se dire, nous devons nous compléter pour, disons, offrir des services publics de qualité à nos citoyens. Je pense qu'une telle posture pourrait objectivement réduire, prévenir même les conflits entre ces deux autorités. Mais ce sont après tout des êtres humains. Donc, s'il y a des situations de mésintelligence, je pense qu'il y a toujours des voies pour peu que nous soyons vraiment dans la bonne posture, dans, disons, la posture de quelqu'un qui veut des solutions. Et en dehors de toute interférence sur tout ça, vous noterez, et ça c'est pratiquement constant, là où les conflits sont très incandescents, Vous vous rendez compte qu'il y a des interférences, souvent politiques. Donc, en dehors de ces interférences, où vous rendez compte que soit le maire ne s'entête pas ex nihilo, soit le préfet ne prend pas des mesures de son propre chef, si ce n'est pas ça, dans la plupart des cas... Ça se passe bien. Je pense que ça se passe relativement bien, puisque après tout, c'est des êtres humains, chacun avec ses caractères, chacun avec ses caprices. Ça devient plus compliqué lorsque les interférences politiques s'y mêlent. Voilà. Et là, il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas si
Alain a quelque chose à ajouter. Non, ce que je voudrais dire, c'est que comme M. Nanako l'a dit, en fait, le préfet ne peut pas s'opposer au développement local des différentes communes. Donc, je crois que ce qui arrive souvent, comme il l'a dit, c'est que c'est une méconnaissance des tests. Mmh. Et cela se lit même à travers souvent certaines décisions que prend l'autorité de tutelle ou lorsque bon, certains conseils communaux passent donc au travers des tests. Mais en tout état de cause, moi je pense que pour renforcer notre processus, je crois qu'il faut continuer aussi bien à former les préfets que les élus locaux. Les élus locaux. Mmh. Je constate souvent que... Les partenaires donc, qui accompagnent ce processus-là travaillent davantage à renforcer donc, les capacités des élus locaux. Mais souvent, on oublie que les préfets ont aussi besoin d'un accompagnement. Parce que, et ça, je le constate aussi depuis le début du processus de décentralisation, les préfets que l'on nomme, il y en a qui n'ont pas... le background nécessaire. C'est des hauts fonctionnaires et autres. Mais lorsque tu n'as pas une expérience de gestion locale et que tu te retrouves dans une position où tu dois contrôler ce qui se fait, parfois il y a des choses qui t'échappent. Mm. Hein, vous voyez, parce que dans d'autres pays qui ont commencé ce processus avant nous, n'est pas préfet qui veut. Ou c'est des gens, c'est des hauts fonctionnaires, effectivement, qui ont une longue carrière dans l'administration territoriale et qui ont une grande expérience et une bonne connaissance, qui se sont appropriés les tests de loi et tout ça. Donc, je crois, et c'est là où aussi, il faut interpeller le chef de l'État qui nomme à ces postes-là, qui nomme les préfets. Mmh. C'est vrai que la loi encadre, on dit, bon, il faut aller rechercher dans les cadres A1 et tout ça. Mais au-delà de ça, il faut que le chef de l'État s'assure que ceux-là qui vont le représenter hein, au niveau du département aient vraiment une bonne connaissance et une grande expérience. Sans quoi, on se retrouve dans des conditions où c'est pour la première fois que le préfet, lui, il exerce cette compétence-là. Et on sent des hésitations, on sent une trop grande prudence et tout ça, alors que le développement local n'attend pas. Il faut absolument continuer le processus. Donc, je crois que ça fait partie. Ça ne dépend pas toujours donc des maires. C'est vrai que les maires, on sait très bien. On peut faire une... on sait déjà les erreurs hein, de façon que les conseils communaux commettent, que les maires commettent et tout. Et de plus en plus, je crois que on évolue. On évolue sur ces aspects-là. Il y a un préfet qui m'avait impressionné, c'était pour la première fois, le préfet de l'Atakoa, je crois que c'est Jonathan Tawema. Quand il était là, lui, lorsqu'il il fait le contrôle de légalité, où il y a certains actes qu'il essaie de contrôler, ben, il faisait des avis motivés. Avant lui, ça ne se faisait pas. Donc lui, il faisait des avis motivés parce qu'il... Il considère que les élus sont en apprentissage et qu'effectivement, ils ont besoin de ces avis motivés pour se corriger progressivement. Je crois qu'il faut demander à nos préfets de faire de même. Parce que la fonction de maire, on ne l'apprend pas dans une école. C'est dans la pratique et autres là, qu'on essaie de s'approprier tous les bons gestes. Donc, je crois que c'est important que la question de la formation des préfets, le choix des préfets, que l'on fasse beaucoup attention si l'on veut effectivement renforcer le processus de décentralisation. Justement, vous m'offrez, la possibilité, en tout cas de rentrer encore un peu plus en profondeur, parce qu'il y a le côté politique, en fait, qui pourrait également gêner un peu la tutelle. En cela que, eh bien, je prends l'exemple de la métropole, Cotonou, par exemple, qui pourrait être dirigée par un maire qui n'est pas du même bord politique que le pouvoir en place. Ou une grande ville comme Porto Novo ou Paracou. Dans ces genres de cas, est-ce que la tutelle ne peut pas être mise en économie pour, faire du mal à l'administration locale, en fait, à la tête de cette ville-là? Est-ce qu'elle ne peut pas servir de parchemin ou en tout cas de passe-droit?
J'essaye d'imaginer, mais je ne vois pas quel pourrait être l'intérêt à le faire. Je ne vois vraiment pas. Peut-être que c'est possible. Puisque les deux tenants, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu, la mairie, les Soglo à la mairie de Cotonou, qui ne parlait pas le même langage que le pouvoir Kérékou, par exemple. Il y a eu des guerres. Je vais parler du transfert du marché d'Antokpa dans le giron de la mairie de Cotonou, par exemple. On a vu tout ce à quoi ça a donné lieu, comme passe d'armes et tout, passion, voilà. Oui, je vous entends, mais vous noterez que là, ce que le simple citoyen pense, ce que l'opinion publique pense, n'est pas nécessairement la réalité. La preuve, vous venez de donner un exemple, un exemple symptomatique de cela. Est-ce que après Kérékou, Dantokpa a été transféré à la commune de Cotonou? Bon, peut-être que on a su trouver une formule, puisque bon, c'est mon bon petit qui est là aujourd'hui. Il est de mon bon, il est de mon parti politique. Ce qui aurait pu être conflictuel peut quand même être géré, comme on le dit chez nous, dans une certaine économie. Non, je voulais juste vous dire par là que les choses ne sont pas aussi simples qu'on les perçoit de loin, quand vous ne possédez pas les dessous des dossiers. Et je ne vois pas pour quel intérêt. Vous savez, le préfet est le représentant de l'État, le représentant de tous les ministres et du chef de l'État. Imaginez-vous, vous, à cette posture, même à supposer que vous êtes en face d'un maire qui n'est pas de votre bord politique, est-ce que votre mandat, c'est d'être en conflit avec lui ou de lui faire des facilités pour qu'il vous rejoigne? Je pense que les politiciens nous apprennent souvent que c'est l'addition, n'est-ce pas? Donc, a priori, un préfet dans cette posture ferait la cour à ses maires s'il veut que la cour politique de celui qu'il a nommé s'agrandisse. C'est comme ça, moi, je vois plutôt la chose. Vous êtes très optimiste. Non, parce que ce n'est pas souvent le cas. Hein? Oui, ça peut ne pas être souvent le cas, mais... Oh. Comme j'ai l'habitude de dire, vous ne verrez pas de point d'achoppement politique à proprement parlant dans les questions de tutelle, dans les rapports entre le maire et le préfet. Par contre, les deux sont des autorités de haut rang, disons ça comme ça, sont des autorités de haut rang et qui doivent avoir quand même un minimum de ressources intellectuels, de ressources d'expérience, de ressources de gestion des hommes pour pouvoir faire de la gestion politique. Le maire en a besoin à l'interne pour gérer aussi bien sa mouvance que son opposition, parce que vous savez qu'il y en a au niveau des communes. Tout à fait. Le préfet aussi en a besoin pour ne pas être, si vous voulez, en prise avec les citoyens. Avec les citoyens, parce que n'oubliez pas cette dimension. Le préfet est dans une position où il sert de courroie entre trois entités fortes qui lui pèsent dessus. Il n'y a pas un citoyen pour l'État à part et un citoyen pour la commune à part. C'est les mêmes citoyens. Donc, il doit faire la courroie, il doit faire le lien entre le citoyen, le maire et le chef de l'État, le gouvernement pris dans son ensemble. Donc, il peut arriver, ce n'est pas à exclure, mais cela, pour ma part, dépend beaucoup plus, c'est beaucoup plus de l'ordre caractériel, c'est beaucoup plus des individualités qu'il s'agit. De façon institutionnelle, je ne vois, tel que les choses sont organisées, je ne vois pas quels pourraient être, disons, ces points d'achoppement purement politiques. Maintenant, revenant chez nous, nous savons très bien que la politique est partout. Hélas, la politique est partout. La commune n'y échappe pas à l'interne. Et les rapports entre la commune et l'autorité de tutelle n'y échappent pas non plus. Mais il appartient à ces deux autorités, disons, de gérer, disons, ces mésententes ponctuelles, hein, de façon en bonne intelligence, pour faire en sorte que dans la République... Chacun s'occupe
de ce qui lui revient et que les choses fonctionnent. Autrement, on sera dans une république des conflits tout le temps. Allez, attention. Vous en voyez-vous? Oui, bon, je crois que, effectivement, à première vue, quand on prend le cas que vous avez pris le marché dans Tokpa, je crois qu'il y avait eu des tiraillements lorsque Soglo père était maire et avec le président Kérékou. Oh. Avec Yaïboni, bon, le début du mandat, il y a eu, au moment où tout allait bien, entre le père et le fils, je veux dire, parce que Soglo père a toujours considéré le président Yaï comme son fils. Mais lorsqu'il y a eu, vous savez, nous sommes sur le terrain politique, c'est une question de rapport de force. Mais je pense que fondamentalement, au-delà de tout, comme l'a dit le docteur Nanako, c'est que le chef de l'État et le préfet n'ont aucun intérêt, effectivement, à s'opposer à un maire qui, bon, je ne sais pas, il est de l'opposition. Parce que ce qui va arriver, c'est quoi? Le maire, qui est aussi un acteur politique, pourrait mobiliser les citoyens à aller contre le préfet, à mobiliser les citoyens à aller contre le chef de l'État. Parce qu'on sait que le chef de l'État reviendra pendant les élections pour demander encore le soutien de ces mêmes citoyens. Je crois que c'est des choses qui arrivent, mais je pense qu'il y a des lois qui organisent les rapports entre le préfet et les maires. Ce qui arrive, c'est que, bon, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de failles dans nos tests, où je crois qu'à l'occasion donc de la révision des tests de loi sur la décentralisation, j'espère que les experts, les spécialistes et surtout les députés à l'Assemblée, le législateur, va veiller à voir comment améliorer ces différentes faiblesses-là. Parce que vous voyez, on parle de l'unité de caisse au niveau du trésor, très souvent ce qui arrive, parfois le maire a besoin de l'argent, le receveur perceptible lui dit « bon, je n'ai pas de disponibilité » et pourtant, le maire, il est conscient que lui, il a des ressources qui sont là. Donc je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, mais je pense que c'est souvent pas dans une longue durée. Il faut veiller à ce que, effectivement, que ces relations-là n'empiètent pas sur le développement local. Parce que le développement national passe par le développement des communes. Ce sont les 77 communes qui constituent l'État. Et si les communes se développent, c'est l'État dans son ensemble qui se développe. Donc il faut travailler. Et moi, c'est pourquoi je dis, j'insiste sur la nécessité vraiment de mettre à la tête des départements, de choisir des personnes qui sont à même, parfois, d'aller au-delà de cette considération donc politique. Et c'est là où j'insiste. Parce qu'ailleurs, quand on voit les préfets, c'est des hauts fonctionnaires qui savent gérer les pressions, qui savent... qui ont déjà connu donc dans la gestion de l'administration territoriale à d'autres niveaux, qui ont connu ces différents cas-là et qui, une fois donc préfets, sont capables donc de gérer, de solutionner les problèmes. Et parfois, vous avez des préfets qui sont là, les présidents de la République passent, mais eux, ils sont là toujours et finalement, ils ont une bonne connaissance de leur territoire. Ils sont capables. Donc, ils sont là en bonne intelligence avec les maires à pousser le développement local. Je rêve qu'on en arrive là pour que, bon, on ne soit pas obligé de changer toutes les fois les préfets, même si la fonction d'autorité de tutelle, avant tout, est une fonction donc, politique. Et donc, il faut que celui qui est là soit en phase avec la politique donc, que mène le chef de l'État. Je suis conscient de cela, mais je pense que de plus en plus, quand vous voyez, par exemple, on a la chance d'avoir, je suis sûr, on n'a pas évalué l'action du préfet, le maire Mbeji. Quand, pendant deux mandatures, vous avez été maire et tout, et aujourd'hui, vous vous retrouvez à la tête d'un département, vous êtes préfet, je suis sûr que vous n'aurez pas le même comportement que par rapport à quelqu'un qui n'a jamais été maire. Vous voyez? Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut davantage encourager pour que, véritablement, on ait à la tête, qu'on ait des préfets qui soient véritablement des inspirateurs pour les différents maires
pour que effectivement le développement local soit gagnant. C'est cela. Alors, docteur Nanako, malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission, mais j'ai quand même pu jeter un œil à votre livre, approfondir les processus de décentralisation en Afrique de l'Ouest francophone. Le cas dont nous parlons s'y est totalement retrouvé. Selon vous, et j'ai dû noter quand même que vous êtes un promoteur de la libre administration. Alors, pour cela, pour un promoteur de la libre administration comme vous, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que la décentralisation puisse bien se porter chez nous et que la tutelle s'exerce sans conflit en définitive? Ok, merci beaucoup. Oui, oui, je suis promoteur de l'autonomie locale parce que je pense qu'elle nous en apporte un peu plus en termes d'efficacité. Revenant à votre question, d'abord un constat. Pour, disons, lever les peurs, les craintes. Parce que souvent, l'encadrement excessif se justifierait par un déficit de qualité. Je dois noter que de 2003-2004 à aujourd'hui, les communes ont assez avancé, ont vraiment fait des efforts pour améliorer leur compréhension, pour améliorer, disons, leur respect des tests. Et en 2000, si les chiffres, ma mémoire est bonne, 2007-2008, le taux d'approbation des actes des collectivités territoriales tournait autour de 80%. Aujourd'hui, nous ne sommes pas trop loin des 100% pratiquement. Wow. Vous voyez? Donc, il y a quand même des efforts qui ont été faits avec des renforcements de capacité, les agents qui, eux aussi, ont acquis de l'expérience. Donc, on a avancé. Donc, il n'y a pas de gros risques en tant que tel. En tout cas, pas plus gros que ceux que nous avons dans les autres administrations de la République. Et pour cette raison, je pense que nous devrons évoluer un peu. Pourquoi ne ferait-on pas une tutelle a posteriori plutôt que de continuer dans la tutelle a priori, ou à tout le moins qu'on réduise la liste, la liste et aussi les délais. Je prends l'exemple typique de la passation des marchés. Vous imaginez, on donne 2 mois au préfet, c'est vrai qu'ils font des efforts, mais si le préfet a 2 mois pour approuver, combien de temps reste pour exécuter ce marché dans le cadre annuel? Donc voilà autant de choses et la question de la politisation. Il faut dépolitiser le plus possible l'exercice de la tutelle. Ce sera votre conclusion, celle aussi de Alain Tosounon, je présume. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alain, vous êtes journaliste spécialisé en décentralisation. Docteur Nanako Kosoba, vous êtes enseignant du droit privé spécialiste des questions de décentralisation à l'université. Du droit public. Enseignant du droit public à l'université d'Abouin-Calavi. Et puis, vous êtes enseignant à l'université d'Abouin-Calavi. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour lundi prochain.